cette deuxième vidéo à la Virtual Room juste ici. Natou, tu peux te baisser. Elle se présente hyper bien. Regardez, regardez. C'est fini son cordonnage. Allez, serre. Regardez, oui, c'est fou. Tu vas à la salle, faut dire la vérité, et explique aux gens. Il aura beau pousser et tout, en interne c'est beau, mais ce sera jamais impressionnant. Non, jamais. Mais personne fera genre. Attends, il y a quand même une bosse. Est-ce que je peux faire mon intro? Abricot dans ma bouche. Souvenez-vous, on s'était rendu dans un monde parallèle, ou plutôt fictif, dans un casque VR, on avait kiffé de ouf. C'était génial ou pas? C'était ouf la première fois. Personne m'avait écouté, j'avais tout le temps raison, mais... C'est vrai mec. Vraiment les gars, elle a vraiment raison, parce que quand j'ai vu le montage, j'ai fait, c'est un truc de ouf, comme on l'écoute pas. Mettez la tête dans le placard! Mettez la tête dans le placard! Oh putain, on peut mettre le casque dans le placard! Mettez la tête dans le placard! Natou, calme-toi! Aujourd'hui, on est de retour, pourquoi? Parce que la mission 2 vient de sortir! Oui. Apparemment, la difficulté est... Par rapport à la première mission. C'est-à-dire qu'on va devoir vraiment faire travailler nos méninges. Et on va devoir écouter Natou, les gars. Vraiment, je vous jure, la dernière fois, elle a été excellente. Cette fois, je suis pas inspiré, donc... D'accord, n'écoutez pas Natou, du coup, pendant cette vidéo. Je veux dire deux choses. Oui. On essaie de pas se marcher dessus, cette fois. Oui. Et deuxièmement, si j'ai mis un bonnet, c'est pas pour contrer ma calvitie. Bah non. Un peu quand même. Ah oui, d'accord. Les amis, je vous préviens juste un petit truc, aujourd'hui on veut pas vous spoil toute la mission, ce qui gâcherait le plaisir des gens si vous veniez ici faire l'expérience. Je rappelle, vous pouvez faire Virtual Room vous aussi si vous voulez. Vous êtes prévenus, alors vous en faites pas, il y aura quand même un fil rouge dans la vidéo, bien évidemment, on va finir, on va réussir à s'enfuir. Je rappelle, c'est une escape game, donc le but c'est de s'enfuir. Ta gueule, Kitty! Excuse-moi, pardon, je pars mal à tes... Déjà, avec le titre, les gens ont compris. Il s'en bat les couilles! Il fait quand même... Les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous rappelle qu'on est chronométré. On n'a pas tout le temps qu'on veut. Okay. Regardez, il y a un truc qui arrive là-bas. Ah, il y a un truc qui arrive. Ça va m'écraser, les gars, vraiment. Non, c'est bon. Oh. Oh. Alors, on a des boutons devant nous et il y a ça qui arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire, les mecs? Natou, ouais. Natou, qu'est-ce que je fais comme danse, là? Regarde. Mais ferme-la, il y a un truc qui arrive. C'est la Macarena. C'est la Macarena, ouais. Ok, les gars, je suis chef d'équipe, vous m'équipez. Vous m'écoutez, ouais. Pardon. On a deux conteneurs, un à gauche et un à droite. Est-ce que tout le monde a un tableau devant lui avec les mêmes petits boutons? Ouais. Alors à mon avis c'est comme au début, il va falloir juste trouver comment prendre nos équipements. Il y a un code sur le truc, vous voyez tout ce code? Ouais. Donc à mon avis il faut juste chacun trouver son code. Qu'est-ce que vous avez en bas de votre écran tactile? Bah moi j'ai le signe Oméga. Moi j'ai une sorte de E mais à l'envers. Ah, moi j'ai un triangle. Ah, moi j'ai autre chose. T'as quoi? J'ai une lettre mais je sais pas ce que c'est quoi. Ok. On est très lent. Ah, vous pouvez ouvrir sur le côté les gars. Oh, sur le côté il y a des trucs à ouvrir. Tiens, les débiles. Oui, mais on est tellement cons. Il y a des bananes. Qui veut des bananes? Moi je veux bien une banane violence. Tiens. Ah mince. Eh les gars, c'est tellement frustrant d'avoir un truc à bouffer et de pas pouvoir le bouffer. Chers amis, j'ai un écran avec 4 symboles et 4 codes. Les gars, il y a notre selfie là. Regardez. C'est bien parce que personne ne m'a écouté. Vous êtes incroyables. Pardon, pardon, je t'écoute. Arrête de faire tes crises d'ego. On n'est pas là pour s'embrouiller. J'ai un iPad avec 4 codes et 4 symboles. Eh ben alors, donne-moi le symbole Oméga, s'il te plaît, le code. C'est un O sans le... Tu le coupes en bas juste. 2016. Oui, ça a marché. Donne-moi ton symbole, toi, Natou. Moi, c'est un E inversé, alors je sais pas. Ok, 76-46. McFly? Mon symbole, c'est une sorte de... comme un petit pont. Ok, 41-68. Ah, ça a ouvert, bravo. Oui. Mon outfit of the day. Yes. Il y a une porte en bas, regardez. Ah, bien wesh. Oh, on peut faire un ping-pong. Car, bon, regarde. Tu joues au ping-pong, toi? Non, je joue. Moi, je joue avec McFly. C'est mon ami, c'est mon ami, toi. Non, pas du tout. Mais non, mais ah, je me suis prêt à venir. J'ai pris le karma. C'est bon, et la carte, il faut la mettre ici, dans le même Ikea. Tout. Allez, tout le monde met la carte, les amis. On a pris une statuette du 5e élément. Qui est un tutoriel, hein, en vrai, vraiment. Vous ne vous écoutez pas. Il y a une statuette du 5e élément. Mais c'est moi qui l'ai dit. Mais la tiens, David. Je suis persuadé qu'il faut la rentrer tous les 4 en même temps, comme dans le 5e élément. Non, que vous êtes... faut juste que tu... Non, faut que tu la mettes dans le bon sens, juste, Raph. J'ai déjà inséré, moi. Ok, du coup, écoutez les gars, la mission n'est pas terminée, il y a un truc à faire. Attends, attends. Eh, hey, regardez tout ce rap, c'est hyper drôle. Elle est tombée, ta carte. Non. Au lieu de me dire, il y a un sens, c'est comme quand t'es à table, ok, qu'il y a un truc que tu veux prendre et que tu dis, tu peux me donner ça? Ça n'est pas un vrai, une vraie phrase. Mais c'est juste l'intro du jeu et on est là depuis des minutes. Oui. Wow, il se passe des trucs. L'humanité a besoin de vous. Ah bah oui, tiens. Une flotte extraterrestre a envahi la Terre. Oh, ça va être fou. Les extraterrestres ont envoyé des balises à travers la galaxie. Ils nous espionnent depuis plusieurs siècles. Nous avons le... Ah, il y a Lola à côté de moi. Voici votre mission. Vous devrez remonter le temps aux époques où les balises étaient encore opérationnelles. Oh, parfait. Trouvez-les, téléchargez les données aliens qu'elles contiennent et renvoyez ces données vers notre époque. Bonne chance, équipe Oméga. Ok, on donne tout, les gars, on donne tout.
Ça, j'adore ça. Faut se trouver un cri d'équipe. Wakanda. Oh, il y a un joli masque. On doit récolter l'énergie de la balise, c'est ça? Ouais. Et regardez ma gueule. Oh, c'est génial. Nous sommes à l'époque des Incas. Natou va nous raconter un peu cette époque. Alors, les Incas font un très bon chocolat. Natou. Yes, on est chronométré les gars, va falloir avancer. Alors, ouais, mais tu fais quoi toi? Tu sois fait. Mais t'es qui toi? Regardez, il y a des lampes torches. T'es ouf toi. Tu vas pas débattre sur mon terrain. Ton terrain il est là, t'en vas pas débattre sur mon terrain toi. Viens. Ben, toi, et viens, regardez toi, ce que viens, j'ai fait toi, en attendant, bande de naze. Regardez. Oh, pas mal. Tout le monde fait comme Natou. Je suis désolé, je ne comprends rien, je n'entends rien. Qu'est-ce que tu as fait Natou? Alors, j'ai trouvé une lampe torche dans une des mains des statues, et ensuite je l'ai mise dans le feu pour l'allumer. Raph, ouais. Il a pas de feu. Nat, il faut que tu lui donnes la torche avec le feu que tu as. Attendez. Voilà. Oui. Mais non. Merci Nat. Et derrière alors, toi, attendez. C'est quoi par terre? Écoutez-moi, Raph, normalement tu as une fontaine là où tu es, non? Yes. Oh, regardez. Il a fait quoi? Oh, regardez, wow. Regardez le circuit. Ah oh, oui, c'est de l'essence. Ok, Nat. Wow. 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 Et les gars. Wow. C'est quoi le bordel? Ok, voilà. laissez-moi dire. Il y a une boule qui est tombée en réaction à ce qu'on a fait. Ah oui, il y a exact. Sur la boule. Ah bah mettez la boule dans le truc dans le réceptacle, où il y a une boule qui va. Quoi, ah oui, c'est le bowling. Oh, ça descend, quand tu mets la boule dedans. Ça me rappelle Tomb Raider. C'est une bonne situation, statue. Oui. Le soleil voilà fut. Et le soleil fut. Oh là, regardez, il y a un truc qui va se passer. Peut-être qu'il y a Magloire qui va revenir. Regardez là-bas, c'est sublime. Oh oh. Mais non. Ouais. Les gars, c'est le meilleur jeu de la vie, les gars. Je veux revenir avec toute ma famille. Écoutez. Vous avez trouvé la sortie. Mais c'était fou. Ouais, mais elle était trop bien, cette épreuve. Salut. Tu vas bien, toi? Tu vas bien? Comment ça va? Est-ce que tu as prévenu Sylvain pour la crémaillère? Elle est où, Lélé? Elle est pas là, Lélé? Lélé, elle est... Je sais pas, je la vois pas. C'est pas le marsupial. J'ai pas envie de mettre un coup sans faire exprès. Les gars, on vous dérange, là? Ah, pardon, ouais, désolé. Non, parce qu'il a pas invité Sylvain à la crémaillère. Oh, regardez. Signal detection. Quand j'ai mis ma main, regardez. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un putain de ouf. Je le prends. Putain, c'est dingue. Et alors, faut faire quoi, là? Attends. Mais laisse-moi la boule, toi! Mais arrêtez! Oh, tu l'as absorbé! Voilà, téléchargement, moi, je télécharge, moi! Ah, bien joué, beau gosse! On a assez ça de l'énergie qu'il faut récupérer! On a eu la première bouboule d'énergie, alors il en reste plus que 3. Bravo! Mais je comprends rien! 1720! Attendez! Je mets pas le dernier chiffre! Prenez un temps pour regarder le paysage qui est incroyable! Oui, c'est vrai que c'est magnifique! La différence entre le décor et la gueule que vous avez est tellement dingue! Alors, tu critiques pas mon visage, toi! Ça commence à bien faire, toi! Depuis tout à l'heure, tu me parles mal, toi! J'en ai marre, toi! Je vais donner du tien, on fait un théâtre des boulevards. Sa tête, elle est cassée en deux. Pardon, David, je voulais pas te faire mal pour de vrai. Oh, c'est trop beau. Regardez à vos pieds, il y a un câble. Je pense qu'il faut tous qu'on relie les câbles qu'il y a à nos pieds, les gars. D'accord. Ouais, bien sûr. On peut pas les prendre. Ah, on peut pas, il manque des morceaux de câble. Est-ce que quelqu'un peut nous dérouler son câble? Ces câbles, ils sont pétés. Y a quelqu'un qui a pété un câble ou quoi? Oh là là. Oh là 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 là. Écoutez-moi, dans ce tonneau. Ah, les gars, y a de la poudre, faut juste relier. Mais c'est ma phrase, je voulais la dire. Bah, fallait être plus rapide, c'est tout. Vous reliez les deux câbles, ok? C'est bon pour tout le monde? On dirait une énorme merde. Ok, les gars, je vais tout faire péter. Oh, oh. Wow. What the fuck, man? Oh, mais les gars, c'est pas... Oh, y'a un train, les gars, regardez! Oh, mec, on va être dans le train! Ok, les gars, vous avez un chariot, là. Prenez ce qu'il y a dedans. Vous pétez le cadenas avec la pioche. Moi, c'est déjà fait. Hop là! Est-ce que tu peux me passer la pioche? Mais non, putain, mais c'est hyper égoïste. Natou, est-ce que tu peux nous aider? Oh, arrête, regarde. Non, mais vous m'écoutez jamais! Vous m'écoutez jamais! Écoutez-moi, je respecte les animaux. Mais venez, on défonce les aigles! Mais non, mais j'ai pas envie de participer à cette tuerie, moi. Non, perso. C'est pas gentil. Non, mais non. Mais c'est horrible. Non. Arrêtez. Je suis pas bien. Ceci est dans le cadre d'un jeu. C'est bon. Il arrive. Attention, reculez, oui, les gars, reculez. Je vous rappelle qu'un train peut en cacher un autre. Ah, il y a un pied de biche de votre côté. Normalement, vous pouvez le prendre pour ouvrir la caisse. Alors, attends. Il y a un pied de biche sur le train. Et normalement, vous pouvez le prendre. Ouais. Les gars, je vois trop le pied de biche dont vous parlez. Mais c'est moi, trop j'en bien. Ai pas. Ah, t'as pas de pied de biche, Nathan? Mais non, moi non plus. Ah, y a que moi qui ai un pied de biche. Non, moi aussi. Vas-y, fais péter le pied de biche, enfin, frère. Enfin, ok, attends, je te l'amène, Mais. Pardon, excuse-moi. Il va se reformer, regarde bien. Ah, okay. Tiens. Ensuite, vous allez avoir un marteau, les amis, et vous tapez sur le petit truc en bois qui se trouve sur le train. Et une fois que la planche est pétée, vous pourrez tourner la roue. Alors vous faites tourner la roue. J'ai hâte de voir ce plan où je tape nulle part. Oh, punaise.
Ah, je voulais m'appuyer sur le truc du train, mais j'ai oublié que non, c'était pas possible. Eh, hey, à la YouTube monnaie. Bah, pour vos 4 millions, en fait, juste. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Les amis, par contre, là, j'angoisse, je suis seul dans l'espace. Et vous? Je suis dans un sas de sécurité. Pareil, moi, un sas. Vous avez une petite trappe que vous pouvez ouvrir? Non, mais David, où es-tu? Ah oui, il y a une trappe, les gars, au milieu. Moi, il me faudrait une sorte de croix à mettre dans ce truc. Donc, faudrait qu'on s'échange des formes, alors. Moi, j'ai un cylindre qui ressemble à une grosse pile. Ouais, je l'ai aussi. Bah, à mon avis, il faut le placer. Ah, ça y est, je l'ai rentré. Super. Ah, j'en ai une qui flotte en face de moi. Les gars, est-ce qu'on peut passer en second degré et juste kiffer? Regardez, mais c'est fou. C'est fou. Voilà. Oh, bonjour. Oh, frère, ça va ou quoi? Mais attendez. Depuis le début, vous vous voyez tous. Oui. Vous me voyez pas et tout le monde s'en bat les couilles. Mais c'est un truc de ouf. Mais je suis pas. Putain. Lucas. Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez, Lucas, il boude, les gars. Oh, non, mais continuez, c'est pas Lucas, grave. Lucas, ouais, mais mec, attends, boude pas, ça va, wesh. Écoute-moi, je vais prendre une salade César à midi et je te donnerai juste la sauce. Lucas, c'est toi qui me paye mon repas ce midi. Bon, bah alors, dans ce cas, je me lave, les mecs, c'est trop cool, putain. Voilà. Qui a eu son bac avec mention ici? Moi. Moi, non, assez bien, juste. Ah, regardez, Raph va faire un truc, regardez. Regardez bien ce qui se passe quand on a grandi à Bois-Colombe avec une mère de qualité. Et voilà. David, est-ce que tu peux me filer le truc qu'il y a là, juste devant toi? Il me manque deux éléments. Carl, écoute-moi, j'ai besoin de ce que t'as en face de toi, là, ce truc-là. Oui, ça flotte en face de toi, là. J'ai réussi à mettre l'objet dans l'espèce de trappe, moi. Il me faut que vous m'en envoyiez deux autres, il m'en manque deux autres. Qui aurait besoin de ces Glixnuk? On va appeler ça... Je pense que c'est... Ah, j'ai besoin d'un Glixnuk. On va appeler ça les Glixnuk. C'est pour Natouf, basse. Ça fait franchement 10 minutes que je vous dis qu'il faut m'envoyer ces pièces et vous m'envoyez chier. Mais parce que... On t'envoie pas chier, on envoie les pièces actuellement. Yes, vas-y, Nat, mets-les dedans et je pense que mon truc va s'ouvrir et j'aurai une vue super. Renvoie. Voilà, c'est propre ça, les gars, c'est propre. C'est ça. Bon. J'ai peut-être des auréoles, mais c'est de la virtuelle auréole, évidemment. Je pue, mais c'est pour de faux. Bravo, les gars. Ouais, stylé. Moi, j'arrête de parler parce que j'ai peur d'être trop brillant. Ici, regardez-moi par ici. Ouais. Ouais. Là, vous avez des trucs à monter, mettez tout sur le vert. Ah oui, tu as raison, putain. Ah, bien, wesh. Moi, j'en laisse un rouge. Non, bah non, du coup, ça va bloquer tout le monde. Enfin. Tout le monde a mis tout sur le vert? Moi, j'ai tout mis... Ah non, j'ai tout mis sur le rouge. Oh là, ah, mais non, tout, mais c'est terrible, ça, enfin. Pardon. Mec, c'est l'ISS, c'est génial. Mais les gars, c'est énorme. La vue de ouf. Waouh. Les gars, je veux trop y être. Le sas est ouvert. Waouh. La vie est plus nulle que ce jeu. Waouh, l'espace, le bonheur. Regardez, j'ai un casque de cosmonaute, t'es pas bon? Oh non, ils vont pouvoir aller dans l'espace. Regardez, coucou. Oh, il en a un aussi. Eh, mais t'as un tuyau, il est pas branché ton tuyau. Je excusez-moi, comme je suis le plus poète et le plus mature et contemplatif, observez ce qui se passe. J'aimerais prendre un moment pour qu'on s'allonge tous et qu'on médite un petit peu. Oui. Allez. Est-ce qu'on peut chanter un peu plus près des étoiles? Tous ensemble. Un peu plus près des étoiles. Et je au jardin de lumière et d'argent. Flinguez-moi tout de suite, tuez-moi. Les amis, ce moment est magnifique et j'aimerais vous dire à quel point c'est un plaisir de tourner avec vous depuis ces deux années. Vous êtes mon rayon de soleil. Raph, tu peux venir vers moi, juste te plaît, vite fait, en restant allongé. J'aimerais, dire un truc, oui. J'aimerais qu'on s'allonge ensemble, toi et moi. Je t'aime, Raph. Merci pour... Je t'aime de tout mon cœur. Ah oh non, mais ils sont en train de copuler. Mais non. Il a dézippé sa combinaison, je l'ai vu. Quelqu'un a du sopalin? Qu'est-ce qu'il fait? Tuez-le! What the fuck? Oh les gars, il y a un bras, il nous a laissé des caisses! Les mecs, vous avez des armes, c'est parti! Attendez, mais... Comment on fait pour mettre les recharges dedans? J'arrive pas à la mettre! Comment on fait les recharges? J'arrive pas à mettre la recharge! Alors vous les mettez en dessous, là, en dessous! Ouais, je suis en train de... Je suis nul! Oh, j'ai une arme de malade, moi! Mais je n'arrive pas à mettre ma cartouche! Mais là, les gars, on l'a chopé avec l'ISS! J'ai vraiment été inutile pendant cette partie. Ah la vache. Non, les gars, je crois que c'est terminé, je suis trop triste. Vous êtes en sueur? Je suis en sueur des yeux, juste. Wow. Le quartier a été pété. 5 minutes! 5 minutes! Les aliens que vous avez collectés ont permis à nos ingénieurs de construire une arme qu'on espère assez puissante pour détruire l'envahisseur. On va zigouiller de l'alien! What the fuck? Des drones! Eh, c'est SpaceX! Oh là là, j'ai la boule! Qu'est-ce que je fais de ma boule? Mettez vos boules dans les drones! Ah, faut la lancer? Si, c'est bon, je l'ai lancé, ça marche! C'est bon! Yes! Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh putain! Oh les gars, je contrôle le drone! Ah ouais! Quoi? Mais comment t'as fait ça, mec? Là, vous bougez ce qu'il y a dans le cube! Ça va être un bordel!
Quand vous prenez la boule et que vous l'avancez, le drone avance. Quand vous levez la boule, le drone se lève, etc. J'ai perdu mon drone, putain. Ah, faut pas les perdre, les gars. Ah là là, j'ai perdu, c'est fini, ah mon là gars. Ah là 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 là. Ah, ça y est, je l'ai. Ça, c'est une natte, ça. Vas-y, avance, natte. Faut que t'ailles sur la plateforme qui est en face de toi, là-bas, dans le vide. Et le mien, il est où, les gars? Putain, vous avez perdu vos drones. Putain, les gars, on a paumé nos drones, c'est chaud. Ils ont perdu leurs drones. Oh, les deux gros cons. McFly et Carlito ont détruit l'humanité. Souscrivez à un abonnement. Et on les met où alors? Il faut aller les amener là-bas, regardez. Regardez, je suis en train d'y aller, regardez. Ah. Natus, bien joué, Nat. Mise à feu dans 3. Deux. Allez, vas-y, niquez-lui la gueule. Oh, oh, oh. Yes. 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 De la flotte alienne est détruite. Yeah. Notre force yes aérienne fera le reste. C'est comme la foire du trône, mais en mieux. Oh. En tout cas, n'hésitez pas à venir, c'est une expérience incroyable. Et surtout, vous ressortez avec cette tête. Et ça, mon gars, ça fait des très belles photos Insta. Bonsoir. Mec, je suis ému, j'ai l'impression qu'on est parti en vacances ensemble. Non, mais les gars, il y a eu de la prospection, l'espace, les gars. Attends, attends, il manque quelqu'un là. Cette expérience, quand même, c'est un délire. C'est fou ce que ça a fait. C'est incroyable. Incroyable. Non mais moi c'est dans le jeu, c'est dans le jeu que ça m'a fait ça. Mes amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vivre l'expérience. En vrai, franchement, c'est chambé. Franchement, on n'est pas payé pour faire cette vidéo quoi, mais c'est juste, je trouve ça trop bien, trop innovant. C'est génial. En attendant, abonnez-vous à la chaîne de tous ces gens, y compris la sienne sur Instagram. Et merci d'avoir regardé, au revoir et encore merci à vous, je vous aime. Attendez, je vais leur faire vivre l'expérience en vrai.